Je dirais que c'est coupé. J'espère que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez déjà? Est-ce que vous me voyez? J'ai pas compris, le live s'est coupé. J'espère que vous me voyez, hein. Coucou, est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre dans les commentaires si vous me voyez? Direct Facebook il y a tellement longtemps. Ok, je vois vos commentaires maintenant. D'accord. Donc, on va aller très rapidement. Il y a tellement longtemps que j'ai fait des lives sur Facebook, je sais même plus. Comment ça se passe? Franchement, j'ai perdu l'habitude. J'ai perdu mes habitudes, en fait, de live Facebook. Vu que je suis plus TikTok, vous savez. Alors, je vous resalue. J'espère que vous allez bien et tout ça. C'est votre Aya Robert, votre chinoise de la Eurogang. 1m74, femme scorpion, la chic maman de Kilou, vous connaissez et tout. Alors, vous savez, hein, moi, j'ai décidé de ne plus me mêler dans les histoires des gens. J'ai décidé de ne plus mettre ma bouche dans des histoires qui ne me regardent pas. C'est pour ça, à chaque fois, quand vous voyez, il y a les bugs, je ne parle plus dedans. Je fais ma petite émission que vous connaissez tous sur TikTok. Je suis bien avec cette émission-là et j'avance tranquillement. Je préfère ma paix du cœur, ma tranquillité. Je passe un très bon moment avec mon enfant, avec mes gens qui m'aiment, mes first class. On avance tranquillement, doucement, doucement. Et puis la vie est belle pour nous. Je sais pas, j'ai mis un. Mon écran est un peu rouge, de façon, hein, je ne sais pas c'est quoi. Mais bon, TikTok est devenu trop bizarre. Il y a des TikTok, Facebook. Mon visage, je sens mon visage rouge, mes doigts rouges, mes lèvres. Bref. Bipez des Bordeaux pour moi, s'il vous plaît. Bipez des Bordeaux pour moi. Avec tout le respect. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Je vais même passer pas un long direct, hein. S'il est trop fait là, c'est 20 minutes parce que je dois commencer mon émission tout de suite. Mais j'ai voulu vraiment faire ce live là pour Débordeaux. Débordeaux, tu vas bien. J'ai connu Débordeaux avec Arafat, père à son âme. Très talentueux. À l'époque, j'ai même trouvé, si la bonne mémoire, peut-être qu'il y a longtemps. Pour son Pangor, je l'avais même trouvé des filles pour faire le clip du Pangor. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu très vite fait. Mais s'il y a une chose que je respecte, c'est que c'est un artiste ivoirien. Mais Débordeaux, tout à l'heure tu étais en live, je suis passée sur ton live, j'étais là, j'ai fait des commentaires. Apparemment, tu as ton ex, si ce n'est pas un buzz, hein. Tu as ton ex qui est sorti sur les réseaux, qui est en train d'expliquer vos vécus, déballer vos débats, vos vies de couple, ex ou même votre vie de couple, votre ex-vie de couple ou votre vie de couple actuelle, je ne sais pas. J'ai vu la vidéo, en tant que femme, je pouvais sortir. En tant que blogueuse, mais comme j'ai dit, je ne me mêle plus
des histoires qui ne me regardent pas. Voilà, quand vous êtes connu, je n'étais pas là. Je ne vais pas venir rajouter quelque chose que des gens vont transformer ou bien ça va se retourner autrement. Je me suis dit, c'est une grande fille, elle va gérer. J'ai vu que tu as fait une vidéo, tu as dit que tu n'allais pas répondre et que tu donnais rendez-vous à tout le monde au casino. Je dis, ah, Desbordeaux a pris de la hauteur. Je vois aujourd'hui, tu apparais dans le live de Aïcha Camoise en train de t'expliquer là-bas. Tu sors encore venir faire un live en train de t'expliquer avec des gens dans le live. Desbordeaux, tu n'as pas d'encadreur, il n'y a personne qui t'encadre. Est-ce que tu te rends compte que tu es un artiste? Est-ce que tu sais que tu dois donner un concert au casino de Paris? Est-ce que tu le sais? Après, tu vas te plaindre que les Ivoiriens ne t'aiment pas. Après, tu vas te plaindre que les gens ne t'aiment pas. Mais à chaque fois que tu prépares un événement, tu dois faire des choses qui vont décourager les gens. Non, Desbordeaux. Est-ce que tu étais obligé de sortir pour répondre? Tu n'as pas de conseiller. Desbordeaux, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a les temps où tu étais vidéoman, tu faisais des vidéos, mais attends, à quel moment tu t'assois pour penser à toi-même et ta carrière, en fait? Ou bien tu t'en fous de ta carrière? Tu t'en fous de ta carrière? Ah! Même Ténor a eu problème et eux nisent du nom ici. Tu as vu Ténor sortir pour répondre à quelqu'un? Tu as vu Ténor traîner dans les téléphones des blogueurs? Tu as vu Ténor appeler un blogueur camerounais ou bien ivoirien pour expliquer quoi que ce soit. Pourtant, l'histoire de Ténor, là, ça fait trop de buzz. Votre histoire, là, même, ça fait même pas buzz. Qui parle de ça, même en tant que tel? Ça n'a même pas pété. Ça, quand tu vas même sur la page même de la Gaule, elle a combien de commentaires, combien de vues pour que toi, tu viennes t'asseoir même pour expliquer quoi à qui? Tu donnes quoi? Quelle explication à qui? Desbordeaux, à un moment donné, il faut te prendre au sérieux. Nous, on te prend au sérieux. On est fatigués. Franchement. Parce que quand un artiste d'un autre pays s'assoit et puis parle mal de toi, ça nous fait mal. Ce qu'on sait de toi, là, c'est la musique. Il faut te concentrer sur la musique, là, Desbordeaux. Tu sors pour expliquer quoi à qui? Tu prépares un concert. Est-ce que tu t'en rends compte? Que t'es sorti un peu bizarre, maladroit, tu es en train de faire là. Ça peut te créer des problèmes et ton concert va tourner autrement. Est-ce que tu sais ça quand même? Tu es en train de te concentrer pour préparer un concert. Ça là, tu peux gérer ça. Le temps, tu t'assois pour expliquer là. C'est peut-être ta copine, non? C'est peut-être pas ta chérie. Si tu as fait 9 ans, elle là. Tu peux venir, vous allez vous appeler, tu as réglé ça tranquillement avec elle. Les Camerounais, tes amis Camerounais qui tu es, qui sont assis et toi dans la vidéo en train d'expliquer là. Ils pouvaient aller la rencontrer, vous allez vous asseoir, vous allez parler. Est-ce que tu es obligé de sortir de Bordeaux, tu as un concert? On entend de moi-même, monsieur, qu'on est me préparer, mais pour faire à Talakou de ton concert, ben, casino, on doit aller casser ça. Tu as quel problème? Tu as quel souci? C'est quel génie de ton village qui te pousse et puis te laisse pas? Il y a quoi? Il y a quoi? Desbordeaux, à un moment donné, la faute à soi, tu as réfléchi un peu aussi? Attends. Faute à soi, tu vas réfléchir un peu? À un moment donné? Comment je parle fort, je crie pas, c'est ma façon de parler. Ceux qui me connaissent, c'est comme ça. Si tu viens dans mon live que tu n'as rien à dire là, tu quittes. Moi, j'ai pas envie de... Où est la personne là-même? Je vais te truc. C'est pour toi que c'est sorti. Tu as quel problème, Tanguy? Tu as quel problème, Desbordeaux? Tu as quoi? Faut te voir dans le live d'Aïcha Camoise. C'est quoi cette façon de te rabaisser à tout moment? Hein, Desbordeaux? Nous, là, on t'aime. Nous, il ne faut pas penser que les Ivoiriens ne t'aiment pas. Si un jour tu t'es assis et puis tu as pensé que les Ivoiriens ne t'aiment pas, là, c'est faux. Quelque chose n'a qu'à t'arriver, tu vas voir comment. Il ne faut même pas dire quelque chose.
À chaque fois que tu fais tes conseils, là, si Ivoirien t'aime pas, on va jamais aller remplir tes conseils. À chaque fois que tu donnes un conseil, là, les Ivoiriens sont là pour toi, vrai ou faux? Les Ivoiriens sont là pour toi, vrai ou faux? Les Ivoiriens sont là pour toi. Faut jamais tu vas t'asseoir pour penser un instant que les Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire, qui est ton pays là, nous on ne t'aime pas. Mais c'est le comportement que tu as toi-même là qui fait que les Ivoiriens sont déçus. Sinon, s'il y a l'homme, artiste que Ivoirien aime là, c'est toi. Moi-même, je me suis assise une fois et dit que les Ivoiriens ne m'aiment pas. Mais quand il a décidé de prendre un chemin noble, les Ivoiriens m'ont montré que c'est pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. Mais mon comportement où toujours je m'assois sur Internet en train de crier, insulter les gens là, c'est ça que les Ivoiriens n'aimaient pas. Parce qu'ils ne veulent pas voir une Ivoirienne, une digne femme Ivoirienne, en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux, s'insulter, rentrer dans les parties intimes, ressortir, répondre, insulter les enfants. Aucun Ivoirien peut accepter. Même si nous, les Ivoiriens, on aime Béré, là. Oui, Béré, mais aucun Ivoirien ne va accepter qu'une Ivoirienne se représente comme ça sur les réseaux. Aucun Ivoirien n'accepte ça. C'est ce qui faisait que je t'ai détesté en gros même. Parce que, pas détesté, mais les Ivoiriens détestaient ce comportement-là de moi. J'ai choisi.